Moi, ça se dit. Voilà, ils vont commencer à sortir en tas tout de suite. C'est bon? Bon, la famille, partagez le direct, la sortie en tas là. Voilà, commencez à mettre les cœurs rapidement, sortie en tas. On est avec le club du moment. Voilà, on vous parle de la référence désormais en Côte d'Ivoire. C'est Lys Sassandra. C'est là-bas, nous tous, on a déposé nos valises. On est jusqu'à même en Guinée pour Papouasie. Donnez-moi les. Soyez 10 000 personnes connectées là, parce que je viens de recevoir mon maillot là. Donne-moi un peu le maillot. Voilà. Voici le maillot du nouveau club. Désormais, c'est comme ça, là, nous tous, on supporte à Abidjan. Nous, on est. Voici le club du moment actuellement. J'ai reçu deux maillots tout ça là. Hein. Regardez. Il y a l'orange. Et puis, il y a le bleu. Voilà. Et puis, après aussi, j'aurai le blanc. Tout y va avec. Voilà ça qui est là. Voilà. Mettez les cœurs. On est combien? On est 1400. Ok. Soyons 10 000 personnes pour aider rapidement là. Voilà. Donc, mon vieux, tu peux continuer maintenant à parler. Et puis. Donc, après voilà. Tout, c'est une joie pour nous, d'abord, l'Église, que je sois aujourd'hui l'ambassadeur de l'Église, parce qu'on vient de prendre une raquette. D'abord. Didier Drogba, c'est une icône. On va parler un peu fort, vous pouvez s'entendre. Didier Drogba, c'est une icône au niveau du football, au niveau à l'international. Exactement. Donc, je pense que tous ceux qui ont soutenu Drogba ont aussi ton soutien. Merci beaucoup. Et c'est ce que tu es en train de démontrer. Uh-huh. Nous, au niveau de l'Église, on est heureux, parce qu'on veut vraiment le changement. Que le football ivoirien et que les joueurs, les sportifs ivoiriens vivent de leur art sur tous les plans. Exactement. Donc vraiment, le merci est à toi. Le président, par sa modeste personne, je dis encore merci pour l'engagement que tu prends pour être au niveau de Lys. On aura l'occasion d'établir les contacts qu'il faut pour que ensemble on puisse essayer de relever un programme bien établi, bien clair. Exactement. Voir comment tu peux pousser encore plus les supporters du Lys. Exactement. Merci beaucoup. Donc, moi je suis le directeur sportif de Lys. D'accord. C'est tout un honneur que aujourd'hui tu nous accompagnes et le peuple ivoirien nous accompagne. Merci beaucoup. Ce qui s'est passé hier au niveau de Yamoussoukro, c'est pas une défaite, c'est plutôt une victoire pour l'ivoirien. Exactement. Et pour nos jeunes frères, on dit qu'on doit continuer à croire en ce qu'on fait. Attends, il y a changé même mon mari, même bien. Voilà, on doit continuer à croire. Attends, le direct, mettez rapidement les cœurs là. Attendez, il y a changé mon mari là. C'est ça, on va continuer maintenant. Voici le meilleur maillot de Côte d'Ivoire actuellement. C'est ce que nous on supporte. Nous tous on est là-bas, allez là. Amusez-vous. Oui, il y a un peu commencé. Il faut parler. Donc, c'est bon, ça. Ouais. Ça rend bien. C'est pas Didier qui est perdu, c'est plutôt la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Voilà. Mais le combat continue. Merci beaucoup. Didier, il est fort moralement. Exactement. Il sait où on s'en va. Exactement. C'est seulement dommage pour nos jeunes joueurs. Tu voulais vraiment le changement. Mais la renaissance va naître. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci au directeur. Merci. On a aussi. À mon marketing, chargé marketing. D'accord. Voilà, il faut déjà dire merci à Poutchou pour l'initiative. Exactement. C'est tout un honneur au club de Lys Sassandra. Mm-hmm. Et sachez que dès aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire qui tourne pour Lys Sassandra. On reçoit plein d'appels pour les commandes, pour les cas de supporters. Mm-hmm. C'est le moment de rappeler aux différents supporters que dès demain, vous aurez un poste, un communiqué en ce qui concerne tous les sympathisants et supporters de Lys Sassandra. Merci. Voilà. Donc, les maillots. On aura un stock disponible de la semaine prochaine et puis tout le monde pourrait être servi. Déjà, j'appelle tout le monde à se mobiliser le 1er mai dès 18h au stade Robert Chambeau contre la SEC. Non, ça ne te gagne voilà. Pas. Hein. Ça, donc, ça, c'est le problème. Au nom ça, c'est bon, voilà, au nom de toute l'équipe, on dit merci à Poutchou. Merci beaucoup. Merci. C'était confiné que merci j'étais avec toi. Voilà, merci beaucoup. J'aimerais d'abord ce soir ici, cet après-midi, dire un grand merci déjà aux 4000 personnes qui sont en direct. C'est un honneur pour moi de pouvoir porter ce maillot-là. Parce que comme je le dis toujours, quand on se bat pour que la voix du peuple soit entendue. On ne peut pas prétendre se battre pour une population ou bien pour des enfants et puis ne pas écouter
ce que le peuple veut. Quand on vient au pouvoir, là, c'est pour faire ce que le peuple veut. Donc quand le peuple dit, nous voulons Toba, c'est pas comme une dictature, mais on donne au peuple ce que le peuple attend. Et moi aujourd'hui, j'ai donné ma poitrine pour Didier Toba parce que j'attends quelque chose en retour. Non, non. Je l'ai fait parce que je veux le changement. Je l'ai fait parce que moi-même, à l'époque, j'ai été aussi footballeur aussi. Même si aujourd'hui, c'est devenu comme... c'est qu'on ne peut pas dire. Mais c'est qu'à dire quand même, j'ai joué quand même par un peu. Voilà, j'ai joué avec Joël, Cyril, Demoro, tout ça. Maintenant, bon, c'est Dieu qui n'a pas décidé. Bon, c'est Dieu qui n'a pas voulu que ça soit ça, mais on s'est transformé à devenir influenceur sur la toile ici. Donc quand je vois aujourd'hui mes frères s'entraîner sur des graviers, souvent même parfois même n'ont même pas de salaire, qui n'arrivent même pas même à nourrir leur famille, qui n'arrivent même pas même à payer même, ne serait-ce que même un médicament, 10 000 francs, lorsque leurs femmes ou leurs enfants sont malades, et que quelqu'un vient qui dit, je vais vous enlever de cette médiocrité-là, pour vous faire asseoir à la table des rois. Vous ne dépensez rien, vous ne payez rien. Moi-même, je vais envoyer des partenaires, des sponsors, et puis on dit, non, ah, toi là, ta vision là, c'est trop joli à voir. Ce que tu veux apporter pour l'Afrique là, c'est trop beau, nous on ne veut pas ça. Mais nous, on préfère rester dans la boue. Moi, je n'ai jamais vu ça depuis ici. Et nous, aujourd'hui, qui avons de la visibilité, qui avons de l'influence, c'est nous qui devons parler de ça. Qui devons parler à travers le peuple. Et aujourd'hui, c'est le seul club en Côte d'Ivoire ici, de la première division Ligue 1, qui a donné sa voix à Didier Toba. C'est-à-dire que je n'ai pas attaqué les autres clubs parce que je ne suis pas là pour ça. C'est le seul club ici en Côte d'Ivoire, lisse de Sassandra, qui a donné, c'est que, qui ont donné leur voix à Didier Toba. C'est eux-là qui ont dit oui à la Renaissance. C'est eux-là qui ont dit que nous, là, nos jeunes footballeurs qui s'entraînent sur terrain, gazon, ou parfois même dans le gravier, là, nous, c'est pas ça que nous on veut pour eux. Nous, on veut les faire évoluer. On veut que ces jeunes-là soient des leaders demain, qu'ils soient la figure du football africain demain. Voici pourquoi nous choisissons la Renaissance. Et aujourd'hui, moi, le Haut Conseil National, je suis bénévole gratuit. C'est-à-dire que je suis vite à bâtard. Je suis gratuit dans vos mouvements où vous êtes là. Il n'y a pas besoin de 5 francs. Moi, je prends 30. Allez jouer à 20 voix. Je prends 4 et 20 à 20 voix. Ce n'est pas un débat. Voilà. Je suis ambassadeur gratuit pour le club. Merci. Et je donnerai mes pages, mes 3 millions d'abonnés à travers mes réseaux sociaux. Là. Je mets ça au service de Nice. Afin qu'à travers ce club-là, nous puissions montrer la vision que Dieu nous a. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'aimerais aussi déjà appeler tous les Ivoiriens. Ce dimanche-là, 1er mai, au Champou, à partir de 18h, nous devons remplir le stade là, pour montrer. Droba n'est pas encore président. Mais le seul fait que déjà, il y a eu un club qui a donné sa voix pour la Renaissance du football, nous allons montrer aux yeux du monde entier, aux yeux de la population, aux yeux de nos dirigeants politiques, que voici déjà la force de frappe de Didier Droba. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'invite ici tous les supporters, tous ceux qui aiment le football, tous ceux qui veulent le changement, tous ceux qui veulent la Renaissance, tous ceux qui veulent voir nos jeunes footballeurs là émerger, évoluer dans les différents clubs. Je vous donne rendez-vous ce dimanche-là au Stade Champou, à Makori. Moi-même, je vais de la partie à mon équipe. Nous tous, on sera là-bas. On va venir supporter Lys. Hein? Ça sera pas. Ça sera. Avant même Champou là, si un pied. Que tu sois handicapé, malade mental, tout le monde est invité. Même les fous. Appelez tout le monde. Le stade doit être rempli. C'est de ça qu'il s'agit. Le 1er mai là, j'ai vu tout le monde. Voici mon maillot qui est là. Bon, moi, j'ai porté un maillot qui est là. Arrête de passer le match au Stade Ado. Tu vois? Il dit avec le match au Stade Ado. Pas, tu t'amuses mal. Bon, match, ça sera même ça. Vous, mon patate. Stade Ado, même Mbappéo. L'autre là, Feliciao. C'est là-bas maintenant, je joue un bon match. Parce que mon match, même d'hier, même à partir d'aujourd'hui, même, le championnat ne sera plus. N'aura pas la capacité d'accueillir vos supporters. Parce que d'ici, elle m'a dit, fait de moi de mail. Si vous n'avez rien vendu comme maillot sur moi, 500 000 maillots. Je vais vous dire ça. Parce que la promotion que nous allons faire par derrière, pour pouvoir aider ces jeunes-là. Parce que dans la vie, quand les jeunes sont motivés, qu'est-ce qui peut motiver les jeunes? C'est le soutien. C'est les supporters. C'est de se sentir dans un confort. C'est de savoir que le travail qu'ils fournissent, là, au moins, là, il y a une petite récompense derrière. Mais s'il y a cette récompense derrière, là, mais c'est sûr que le jeune, là, quand il vient jouer ballon au terrain, là, il n'a pas le stress. On a des talents en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui fait que ces talents n'arrivent pas à se promouvoir? Mais quelqu'un qui a problème de payer facture de couleur 10 000 francs à la maison, il peut jouer le ballon comment sur le terrain? Il ne peut pas jouer le ballon sur le terrain? Parce que ça, il a le stress déjà même de comment il va faire pour aller payer sa facture de couleur. Donc je finis le ballon net là, je vais faire mes petits business. Mais comment un footballeur peut finir de jouer un match de championnat et puis il est en train de galérer,
Galerie encore bouillé ciment. Tout le monde, il est en train de gérer sa cabine. Tout le monde, il va aller encore dans un autre encore. Mais c'est pas possible. Et quand tu vas parler, on va dire non. On est en train de faire de l'extravagance, que non, on est émotionnel. Mais c'est pas de l'émotion. Nous avons besoin d'un changement. Et ce changement-là doit être dans tous les domaines possibles. On a besoin des jeunes qui sont à leur poste. Quand on dit Fédération de football, c'est un footballeur qu'on va mettre là-bas maintenant. On va prendre un bénéficier pour aller mettre à la Fédération de football. C'est comme si tu vas prendre un militaire pour le mettre comme ministre de l'économie. Ça va, ça. Ou même soit même le mettre ministre des choses, comme des artistes, des machins. Là. Ça va pas ensemble. Chaque nom, on doit mettre les. Je pense que Droba, pour moi, est le plus méritant. Pas que les autres candidats ne sont pas méritants. Tout à fait. Ils sont aussi méritants. Mais pour moi, pour la renaissance du football, c'est Didier Droba. Et moi, je n'ai pas envie de Didier Droba. Et merci. Je suis Didier Droba, c'est ça qu'il s'agit. Donc, vous allez dire un grand merci à votre président. Et dire au président que je suis là, je suis avec vous, et nous allons le soutenir. Nous allons propulser ce club-là au sommet et à travers tous les autres joueurs. Ah, ok. On dit, moi, après le président. On lui dit un grand merci, c'est de ça qu'il s'agit. Son téléphone sonne. Ça va sonner jusqu'à. Moi-même, depuis qu'il a fait le poste, il m'envoie un numéro. J'appelle votre numéro. J'appelle. Ça sonne. C'est mon numéro. À son numéro ah, yeah. Depuis 23 heures. Pourtant, la sonne, il y a des machines. Il y a tout ça, mais je fais mal. C'est dommage. Quoi que... Ça sonne, hein. C'est le nouveau maillot qui est là. C'est pas la 4 maillots. Ah, ok, d'abord c'est maillot aussi. Ah. Moi c'est le 4 maillot. Ça c'est taille L, tu pourras pas porter ça. Ça c'est taille 1 Ça c'est L. Ça c'est L, bon c'est pas grave, on va donner ça à l'un du média ici. On va donner ça. Et c'est dimanche là, nous tous on doit être au stade là-bas. Non, c'est XL. Waouh, c'est gentil. Donc voici les maillots qui sont là. Hein. Nous tous on est déjà prêts. Lisa Sandra, c'est désormais le. C'est club de référence désormais. Voilà. Voilà ça qui est là. Nous tous on est lisse désormais. N'oubliez pas, abonnez-vous sur la page là, j'ai épinglé la page. Voilà, j'ai épinglé la page là sur ce direct là. Abonnez-vous sur la page. Donnez-les jusqu'à on va dire, lesquels là? Lesquels? 14h50. Jusqu'à on va dire 15h, tout de suite là, dans 10 minutes, je vais voir les 100 000 abonnés sur les pages. Tout de suite. Donc c'est l'heure pour tout le monde qui vous dit ça. Abonnez-vous sur la page tout de suite là. Dès qu'on va dire, je coupe ce direct là, 100 000 abonnés sur les pages. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce que je suis présent est en chose, c'est pas grave. Voilà, il est beaucoup occupé en ce moment, c'est normal. Non, messagerie. Parce que, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est des choses. Non, non, pas imaginer ça. C'est vraiment plaisir. Voilà. Que vraiment la Côte d'Ivoire, il y en a senti que la Côte d'Ivoire était touchée. Exactement. Parce que c'est un enfant de la Côte d'Ivoire qui a été humilié. Exactement. Mais au-delà de ça, c'est la Côte d'Ivoire qui a été humilié. Bien sûr. Voilà, on va retrousser les manches et puis continuer la bataille. Exactement. Parce qu'il faut rétablir ce qui n'est pas normal dans le football. Exactement. Il faut que nos petits soient indépendants. Exactement. Il ne faudrait pas qu'on puisse avoir des enfants qui puissent chercher à traverser, on appelle l'océan. Mais bien sûr. Pour gagner leur mais, partout, pour mais, s'occuper de leur famille. C'est chaud. Mais bien sûr. Imaginez un joueur de Ligue 1. Ligue 1. Qui habite peut-être même chez ses parents. Ils qui habite en famille. Mais, qui habite dans la cour. Qui tombe chez les parents. C'est pas possible. Tu ne peux pas être joueur professionnel de Ligue 1 de Côte d'Ivoire et tu ne peux même pas te louer une maison de 50 000 francs. Tu ne peux même pas te louer un studio même de 50 000 francs. C'est pas possible. C'est ça que tu joues au football, c'est pas grave. Et quand tu vas te demander, non, les enfants jouent au football, que les gens vont vous regarder, vous allez avancer. Moi, il y a l'un de mes amis là, le Val, il est footballeur, il joue au poète. Mais avant de battre au poète là, il a dit un club là que je n'ai que chose, je ne vais que chose. Oh, que tu n'as pas si. Dis, si. Mais ils sont les joueurs match, plus de matchs dans la paix 2500. Bonsoir. Hey, c'est bon, c'est bon, on n'a pas dit le nom ici. On n'est pas là pour faire la guerre ici. On n'est pas là pour faire la guerre ici, pardon. Il a fait 2500 primes de match. C'est hallucinant. Et c'est ce changement que nous avons besoin. Nous avons besoin de ce changement là pour que ces jeunes puissent vivre de l'air A. Vivre de l'air A là. Le tir haut et fort là, ce n'est pas de dire que nous on est contre quelqu'un ou bien qu'on veut humilier une autre personne, on veut faire ceci. Non, on n'est pas là par rapport à ça. Il dit qu'il veut se reposer là. Moi j'ai du respect. Non, non, on l'avait appelé. On lui a dit que. Mais moi je pense que d'ici le premier mai, non, mais quand il y a un ou après demain, on peut prendre un rendez-vous avec un. En tout cas, tu nous laisseras après la photo, donc on va t'apporter la carte de supporter. Il n'y a pas de souci. On fait la photo tout de suite. D'accord. Ma carte de supporter, tout ça, je vais recevoir ça. Je suis en France, je suis à Abidjan, c'est lisse. Okay, on est pour de jusqu'à même tout n'est pas quoi.
grâce à vous, on fera vraiment l'effort de... Non, mais bien sûr, parce que je sais que quand ces jeunes-là vont voir tout l'engouement qu'il y a derrière, ils vont se donner au football. Je suis sûr et certain qu'ils peuvent devenir champions l'année prochaine. Ça peut le faire. Parce que quand tout est mis en place, il n'y a pas de raison de ne pas être meilleur. C'est juste un problème d'organisation. C'est juste un problème. Voilà. Tout est organisé, tout est mis en place. Les gens sont dans les conditions. Les gens se sentent respectés, considérés. On a dit frère. Mais tu t'imagines ce dimanche, on arrive au Champou. Le stade est beau, tout le monde a porté Maurice. Mais ces jeunes-là, quand il va attraper le ballon, même là, il sent que c'est sa vie qui est là. Ouais. Tout le monde est en stade. Même Daniel Zogo, c'est en stade. Ouais. Tout le monde est en stade. Quand il va toucher le ballon, même prenez un handicapé, mettez-le sur le terrain, il va marquer. Ah, toi aussi, c'est dimanche là. Mais guide. Tu continues à merci beaucoup. D'accord. Non, y a pas de quoi. Voilà. Merci à tes abonnés. Bien sûr, il n'y a pas de quoi. Y a pas et de quoi. On souhaite bonne chance au nouveau président. Merci beaucoup. Que le football gagne. Exactement, exactement. Que le football gagne. Et en ensemble. Voilà, donc merci beaucoup à toute la nation. S'il vous plaît, n'oubliez pas, commandez les maillots. Désormais, c'est lisse. Nous tous, on est lisse. Lisse même, c'est-à-dire que ta peau est lisse. Qui a mis dans ma peau, il va être peau où il y a gravier dessus, il y a bouton gal dessus. Non, mais le club, le nom du club te donne envie d'évoluer. On dit ta peau est lisse. Viens où tu es lisse. Tu vas aller dans le point où tu as gravier. En jeu ballon, c'est la cimetière sans lui ou bien. Quand tu vous amuses mal. Hein. Donc chacun est lisse à partir de désormais. Tout le monde est lisse. À chacun son maillot. Moi, il y a 3 maillots qui sont là. Voilà. Il y a 7 autres qui arrivent. Mon équipe, nous tous, dimanche prochain, on est au Champou. C'est gâté là-bas. Toi aussi. Donc on ensemble, mon vieux. Ok. Tous mes respects. Voilà. Et puis, c'est Dieu qui. Merci bien. C'est ça qui s'agit. On va couper le dîner et puis on fait les photos. Donc on ensemble, ma nation. Voilà. Ciao, ciao.